les copains, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bah, tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer de très bonnes fêtes, que vous avez mangé de la bûche, que vous êtes en train de manger des galettes au beurre, si possible. Donc, là, aujourd'hui, pourquoi je fais cette vidéo? Je vous fais cette vidéo pour vous montrer comment on fait de la pâte à choux au four à bois. Alors, la pâte à choux, c'est quelque chose déjà de très compliqué de base. Donc là, nous, on va se remettre une petite touche de difficulté parce qu'on adore se faire du mal. On va la faire au four à bois. Comme vous le savez, la cuisson au four à bois, c'est quelque chose de très technique, ne serait-ce que pour le pain. On arrive à cuire nos viennoiseries dedans parce qu'on s'est imposé un petit défi, donc c'est de cuire nos viennoiseries au four à bois, on y arrive. Et maintenant, ben, on se remet un nouveau défi. Ce défi, c'est de faire notre pâte à choux au four à bois. Alors, pour faire notre pâte à choux, j'ai 500 g de lait, 500 g d'eau, 500 g de beurre. Voilà, un tiers. Donc là, j'ai mis à fondre, sur une plaque à huile sur mon beurre. J'ai mis 20 g de sel et 60 g de sucre. Donc là, ça est en train de fondre. On va mettre un petit peu plus à chauffer pour que ça boue, tout simplement. Là, j'ai 500 g de farine, donc tamisée, que Léa, que Emma m'a tamisée, et j'ai 750 g d'œufs que Emma, qui tient cette vidéo. Coucou Emma. Coucou, ma petite coucou. Bah voilà. Que Emma nous a gentiment posé. Que Emma, elle est très gentille. Alors, il y a aussi notre apprenti pâtissière. Et comme ça, en fait, en même temps que je vous explique à vous, je lui explique à elle. Comme si je voulais... enfin, c'est comme si je parlais à deux personnes en même temps. D'ailleurs, merci, vous êtes 1400 à me suivre sur les réseaux sociaux, donc sur YouTube en particulier. On est déjà 1400, vous êtes de plus en plus nombreux à aimer donc, ce qu'on propose ici, donc ça fait vraiment plaisir. Et puis ben, ça nous donne envie de continuer tout simplement, donc c'est pour ça qu'on fait. Alors, petite chose. Donc là, mon beurre est fondu, comme on peut le voir. Approchez-vous et moi pour qu'on regarde. Voilà, mon beurre est totalement fondu. Donc là, on va mettre à chauffer un petit peu plus fort, histoire que ça boue, qu'on crée quand même une ébullition. Une fois cette ébullition, je vais mettre ma farine dedans, d'un coup. Et après, je vais venir, alors, tout d'abord, dans un premier temps, avec mon fouet pour mélanger, et avec une marise, dans un second temps, pour y aller, parce que c'est un petit peu compliqué de faire tout au fouet. On va venir justement dessécher notre pâte. Donc, quand la farine va se mélanger, ce qui va se passer, c'est que l'amidon va gonfler. En fait, l'amidon va gonfler. On va créer justement... on va enlever l'humidité de notre texture. Et après, on reviendra remettre l'humidité. Parce qu'en fait, quand on enlève l'humidité, l'amidon, il va gonfler. C'est ce qui va faire que la pâte à choux, elle gonfle au fond. D'accord ? Et après, on va remettre un petit peu d'eau. D'un broc qu'on m'a enlevé, mince, d'un broc qu'on m'a enlevé pour justement avoir la texture. Parce qu'une fois que l'amidon est gonflé, il ne manque plus que la texture. Donc là, comme vous le voyez, ça commence à bouillir. Et là, je vais mettre donc, ma farine d'un coup. Voilà, hop. Et je vais venir mélanger avec mon fouet, parce que je trouve qu'avec le fouet, ça se mélange beaucoup plus facilement. Je vais venir baisser mon feu pour pas brûler ma farine. Je vais même mélanger hors du feu. Voilà, donc là on peut y aller. Pour que ça se mélange. Donc là vous voyez avec le fouet, ça se mélange vachement mieux en fait. Et là, avec la farine. Alors j'ai utilisé, je ne vous ai pas dit quelle farine j'utilisais. J'ai utilisé de la farine de gruau. Pourquoi de la farine de gruau? Parce que c'est celle qui contient le plus d'amidon. Voilà, donc là vous voyez, c'est mélangé. Là on a notre mélange. On a notre mélange qui est fait. Je vais venir, hop, maintenant, la travailler sur mon feu, donc à feu doux. Là, on a Léo, notre apprenti boulanger, qui a été tout gentil, qui nous a ramené de l'eau. Merci Léo. Léo? Oui. Merci. Oui. Ah, c'est pas grave si on vous entend, hein. Vous avez le droit de parler aussi. Hein. Non, ça va. Donc là, qu'est-ce que je suis en train de faire?
Emma, qu'est-ce que je suis en train de faire? Enlever l'humidité. Exactement, sécher. Vous avez tout à fait raison. Je suis en train d'enlever l'humidité, comme vous pouvez le voir là. La pâte à choux, elle est en train de se décoller de la paroi. Là, ce qu'on fait, on enlève l'humidité. Donc on ne met pas un feu très fort, hein, pour avoir des bras. Pour être petit boulanger, pâtissier, vous verrez, Emma, elle a des bras deux fois plus gros que moi. Alors, donc voilà, très important, on travaille sérieusement sans se prendre au sérieux. Il faut être sérieux quand on travaille, hein, j'ai pas fait de conneries, il faut être sérieux dans ses pesées, sérieux, mais après, une fois que tout roule comme il faut, une fois que tout roule comme il faut, il n'y a pas besoin d'être sérieux tout le temps. Ça, c'était les paroles d'un grand monsieur que j'ai connu qui s'appelait monsieur Jean Ménouvrier, qui vous regarde de là-haut. Il m'a toujours dit ça. Il était boucher charcutier, président d'un club de foot à Lure. Donc ceux qui connaissent le reconnaîtront. Il faut travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Voilà. Toujours. C'est un peu ce que j'essaie de faire, mais des fois, il faut être sérieux. Et quand il y a des bêtises qui sont faites, pas content le patron. Donc voilà. Donc là, on a desséché notre pâte à choux. Vous pouvez voir tout ce qui s'enlève de là. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Ça va être la grande question. Parce que là, on a desséché notre pâte à choux. Donc on a enlevé un petit peu de l'humidité. La pâte à choux se décolle des parois. On est OK. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir donc prendre une grosse cuve que normalement on a lavé. Elle est là. Il a déjà tout lavé. Alors, on va prendre une grosse cuve. Hop. Et on va venir donc tarer et mettre la pâte à choux dedans. Pourquoi je mets la pâte à choux? Pourquoi je pèse ma cuve avec la pâte à choux? Et bien, c'est très simple. C'est parce que vu que j'ai une recette au poids exact, vu que j'ai un poids exact qui est donné, alors je ne sais même pas si je vais mettre tout. Ah, si je vais mettre tout. Vu que j'ai une recette qui m'est donnée, normalement dans ma recette, alors. Je dois avoir 2 kg. Je dois avoir 2,60 kg de masse. Là, je ne les ai pas parce que j'ai que 2 kg. Donc je vais venir rajouter de l'humidité avant de rajouter mes œufs pour avoir exactement la température dont j'ai besoin. Enfin, pas la température, mais la texture. Comme ça, je suis sûr qu'au niveau de la régularité de ma pâte à choux, j'ai exactement la même. Pourquoi je remets de l'eau? Je vais dire, mais t'as enlevé de l'eau, t'as remis de l'eau. Déjà, premièrement, parce que je vous ai expliqué. Et deuxièmement, parce qu'on a besoin que l'amidon gonfle. Et c'est la chaleur et le fait de sécher notre pâte à choux qui va créer ce gonflement. C'est de la chimie, hein. pas moins, pas plus. La feuille, elle est vers vous? Oui. Encore beaucoup de très gros moyens, vous les enlever. J'ai pas encore de très gros moyens, on n'a pas 15 batteurs, 10 000 cuves. On n'a pas ça. Alors, maintenant, tout simplement, je vais venir mélanger donc cette pâte à choux. Pas besoin d'y aller comme un bourrin. On peut y aller sans problème. Et puis, vous voyez là, l'humidité que j'ai remis dedans, elle est en train de se remettre. C'est en train de se mélanger, vous pouvez regarder à l'intérieur, vous voyez, là on n'est pas trop mal. Donc là on va juste attendre que ça refroidisse. Pourquoi? Pour éviter de cuire donc nos œufs. Et une fois que tout, que la préparation, que la cuve, si vous le faites à la maison, il ne faut pas que la cuve vous brûle la main. Si la cuve est très chaude, vous ne devez pas incorporer les œufs, sinon ils vont cuire. Et on ne veut pas ça, sinon ça va finir en omelette cette histoire et puis ça ne va pas être bon. Donc là l'objectif, voilà, c'est d'aérer la pâte à choux et de remettre les œufs après, tout simplement. Donc là on ne devrait pas avoir de mal. Donc là en fait si j'arrête, je peux toucher la pâte à choux, ça ne va pas me brûler. Donc si ça ne brûle pas, ça ne va pas cuire les œufs. Un œuf par un œuf, il n'y a pas besoin de beaucoup. Vraiment un œuf par un œuf, là j'en ai mis deux.
deux œufs par deux œufs, ça dépend en fait de votre expérience. Là, en sachant que là, on a pesé exactement ce qu'il nous faut, on a exactement notre quantité d'eau, donc notre quantité de matière pour la recette, la pâte à choux va faire exactement ce qu'on a, le poids qu'on veut, et va avoir la même exactement la texture qu'on veut. Là, il est en train de se mélanger. Là, on va avoir exactement la texture qu'on a besoin. Exactement ça. C'est exactement ce qu'on veut. Là, on voit, c'est super. Je vais venir. Là, j'attends juste que là soit un petit peu mélangé. Et là, je vais venir donc corner et racler sur le bord pour vraiment avoir la texture. Vraiment que tout soit bien mélangé. Ça, c'est important parce que. Selon vos batteurs, selon les batteurs qu'on utilise, si c'est des plus ou moins bons batteurs, après ça, je suis au courant, c'est que c'est des choses qui coûtent très cher. Je suis au courant, mais après, si on a les moyens, quand on achète un batteur, eh ben, il y a certains batteurs, malheureusement, où on n'a pas besoin, enfin heureusement, on n'a pas besoin de corner, parce qu'ils arrivent bien à choper le fond, mais celui-là, non. Donc après, on fait avec les moyens du bord. Abonnez-vous, ça m'aidera à avoir un nouveau batteur. Bah oui, techniquement. On sait jamais hein, ça marche. Après, 1400 abonnés, c'est déjà une petite réussite pour moi. Bah oui. C'est déjà bien. Suivez, regardez un pauvre boulanger dans son panier. Bon alors, voilà, donc là on a exactement donc la pâte à choux, vous allez voir tout de suite, je vais vous montrer. J'enlève ça, et là, je prends une bonne louche, et là, vous voyez, ça fait vraiment le bec. Ça fait vraiment le bec, c'est exactement la texture qu'on veut. Alors, ensuite, et on va utiliser donc une douille cannelée, comme ça. Je ne sais pas si on voit correctement. On voit correctement ? Un peu flou. Un peu flou ? Oui. Voilà. Là, c'est mieux. Parce que quand je me rapproche de trop, des fois, ça fait pas le focus. Pour pocher, vous êtes nombreux aussi à m'avoir demandé ça. Pour pocher, on vient donc renverser et en. Comme ça, plus simplement. Je l'explique à Emma en fait. J'explique à Emma, vous prenez, vous retournez votre poche assez grand jusqu'à pouvoir ouvrir votre main dedans. D'accord ? Là on est bon. Ok ? Ça sert à rien de remplir votre poche jusque là. D'accord ? Jusqu'à là, ça ne sert absolument à rien. Au contraire, vous allez perdre en précision. Ça sert à rien d'avoir des poches blindées. C'est ce que souvent on fait quand on est assez débutant, mais ça sert à rien. Faut pas faire ça. C'est juste ça vous empêche d'être précis, ça vous empêche de pas mal de choses. Donc là, vous voyez, hop, je remplis juste ma poche comme il faut. Hop. Sans s'en foutre plein les doigts si on peut. Et là, vous voyez, là, ça suffit. Il n'y a vraiment pas besoin d'aller jusqu'au dessus là. Ça ne sert absolument à rien. Si vous avez ce genre de choses à la maison, vous posez ça sur votre plaque et elle doit faire exactement la même taille que ça. Donc je vous montre. Et voilà. C'est aussi simple que ça. T'as vu ? Hop, je vous remontre encore un petit peu. Alors, il faut vraiment avoir une douille qui soit assez grande, mais pas trop grande, parce que si vous prenez une douille trop grande, moi j'en ai pas, j'ai plus besoin de ça. Si vous prenez une douille trop grande, elles vont être trop grandes, logique. Mais si vous appuyez trop fort aussi, je m'explique, si vous appuyez trop fort, ça va pas aller. Si vous appuyez pas assez fort, ça va pas aller. Il faut vraiment être régulier dans la manière dont vous appuyez pour faire votre pâte à choux. Il faut vraiment être régulier dans la manière dont vous appuyez pour votre pâte à choux parce que sinon ça n'ira pas. Moi je vous conseille de mettre un angle à peu près 45 degrés
Qu'est-ce qui va bien? Puis on est parti quoi. Alors elles sont pas toutes nettes. Hein. Enfin, la logique voudrait qu'on soit vraiment régulier sur régulier de la première à la dernière. Et vous avez raison. Ça devrait se passer comme ça. On est reparti, on recommence. Alors une fois que ma pâte à choux est dressée, qu'est-ce qu'on va faire? Ben en fait, on va venir donc mettre un coup de graisse dessus pour qu'elle puisse bien développer correctement. Il y en a qui mettent, donc il y en a qui mettent du sucre glace, il y en a qui mettent du beurre de cacao en poudre, il y en a qui mettent de la dorure aussi. Mais nous, vu qu'on fait ça au four à bois, je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Vu qu'on fait ça au four à bois, elle prend de la couleur. Vu que c'est fait au lait, le sucre du lait va caraméliser et on va avoir justement une coloration qui sera assez forte. Et ben, en fait, on met de la graisse dessus, comme ça atténue un petit peu justement cet effet de coloration. Parce que si jamais on l'atténue pas celui-là, et ben on va avoir des éclairs noirs à la fin. Donc là on a un four qui est un petit peu chaud pour la pâte à choux. Donc là je vais l'ouvrir, je vais l'allumer, comme ça vous profiterez pour voir comment c'est dedans. On va le laisser ouvert, on va le laisser donc rebaisser en température, et puis après on enfournera notre pâte à choux, vous prendrez tout de suite après, et puis vous verrez bien le résultat final. Bonjour les copains, donc là c'est moi qui suis aux commandes de l'appareil téléphonique. Donc là j'ai enfourné donc la pâte à choux, voilà, donc je vais mettre un minuteur de 20 minutes. Donc là le four est aux alentours de 200 degrés, tout simplement, avec un minuteur qui marche si possible. Et c'est parti pour 20 minutes de cuisson. Au bout de 20 minutes, on va vérifier comment elle est. Et puis après, on regardera tout simplement par la suite. Voilà. Bon. Hop, je vous laisse regarder. Donc, la cuisson de la pâte à choux est finie. Et là, donc, voilà le résultat. Voilà, regardez comme c'est beau. Hop. Alors pourquoi elle est cette couleur? Pourquoi elle est vraiment... Voilà, elle a pris énormément de couleur. Vous voyez là, elle est bien marron. Pourquoi? Parce qu'en fait, vu que je la fais au lait, elle prend le lait caramélise. Donc le lait, dans le lait, il y a du sucre. Il y a beaucoup de sucre dans le lait. Et en fait, le lait caramélise au four. Du coup, en fait... c'est ce qui donne cette couleur là, mais c'est pas parce qu'il y a cette couleur là que c'est pas moelleux. Regardez, là je peux appuyer dessus, ça fait vraiment une belle coque de pâte à choux bien croustillante. Elle croustille comme il faut, elle est moelleuse comme il faut, elle croustille et elle est moelleuse. Alors ça j'ai réussi, elle est bien gonflée, donc je vais pouvoir bien la garnir correctement. Et puis voilà quoi, elle sent bon le beurre. Donc après je vous montrerai comment on fait une éclair simplement, avec le nappage, avec le glaçage et tout ça. Et voilà, ce qui clôture la fin de cette vidéo. Alors je vais prendre une photo comme ça fera la miniature de la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, ça m'aiderait énormément. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année.